Bah écoutez, je m'appelle Hervé Jamin, donc je suis cuisinier depuis une bonne quarantaine d'années maintenant. Et puis le plaisir dans tout ça, c'est de transmettre notre plaisir à notre clientèle. On fait des concours de cuisine depuis pratiquement tout le temps parce que le challenge, la passion et puis se mesurer à soi-même déjà. Et qui de plus est, travailler avec des fournisseurs, des producteurs locaux qui font des produits d'exception. La lotte, je prends la poitrine fumée, je la prends avec Jacques Mellet, c'est la ferme de la Mare, qui était auprès de mon ancien établissement. Donc Jacques, je connais par cœur depuis plus de 20 ans. À côté de ça, donc, j'ai Jonathan Chabert qui a lui le jardin de Plédéliac, de la Perrière, pardon, à Plédéliac. Et là, c'est pareil, c'est un aventurier du légume, c'est un créateur, c'est un super gars. Et avec qui ben, les légumes, on a envie de les transformer pour faire plaisir à ce gars-là et à nos clients. Et puis autrement, ben, le Vieux Bourg, qui ne saurait parler du Vieux Bourg si ce n'est que c'est un super beurre, baratté deux fois, qui est fait donc ici à côté à Quintin. Je suis reparti sur des vieilles recettes, des recettes de ma grand-mère. Parce que la lotte, pour la première que je travaille, la lotte, ce sera une lotte genre matelote, revisitée, que me faisait ma grand-mère. Et pour le café gourmand, ben, c'est une idée de mon fils, qui lui, un jour, m'avait fait des gobelets en chocolat et j'ai trouvé ça tellement marrant que on les a utilisés, transformés, puis on les a mis un peu au goût du jour.